Nous jeudi à lundi 30 juillet 2018. Bonjour tout le monde. Nous comptons rentrer la carbone capable pour pour première sortie téléjournal pour semaine. Ainsi là, d'ores et déjà, nous avons souhaité tout le monde passer une très bonne semaine sous télévision nationale d'Haïti. Même temps, tout le monde très bon lundi. Mais principal point cap qui me fait essentiel journal là pour jeudi lundi à pour une fois qu'on a première dame République la Martine Moïse fait un virer on a pèlerin 5 côté les rencontres habitants dans zone et puis confirmer engagement fin une présidentielle là pour tabler bon rapport à qui. Tribunal criminel traité plusieurs dossiers ordonnés, 6 condamnations pour vol, viol avec association malfaiteur et puis fait libération, c'est bilan 6 criminels sans assistance jury sorti lundi 23 pour arriver jeudi 26 juillet passé à n'en parler justice dans Port-au-Prince. Responsable autorité nationale régularisation secteur énergie annoncé mettez bout vendredi que se passer là avec atelier formation étape organisé sur établissement tarif électricité non pays et puis à l'échelle internationale nous prenons dans pays les États-Unis pour nous faire connaître un titan qui pas trop loin n'importe américain capable imprimer des armes plastiques la caillou suite à que décision la justice américaine prend pour bailler autorisation à que compagnie armes défense distributed pour publié programme impression ZAM 3D. Yo. Voilà, 500 points sur un pilote qui a payé pour faire essentielle information. On a pu vite arrêter dans quelques secondes pour développement de ça avec un pilote encore. Merci parce que toujours été branché télévision nationale d'Haïti. On a souhaité tout le monde passer une bonne semaine et surtout bienvenue dans l'information. On a démarré avec première information. Je viens d'annoncer dans un petit jour pour nous faire connaître première dame République Martine Moïse fait un viré vendredi 27 juillet qui se passe là dans Pèlerin 5. Objectif visite ça, c'est pour être capable de rencontrer avec habitants et puis confirmer engagement famille présidentielle là pour établir bon rapport avec chaque citoyen dans la première dame là t'es profité rencontrer tout plaisir habitant caillotte démoli sous l'ordre de la justice dans finissement mois juin qui se passe là n'a pas vite suivi un reportage avec Sabine Jo Etienne avec Jean-Noël Julianne qui était sur place. C'est en visite courtoisie côté première dame République la Martine Moïse fait moun pèlerin 5 connaît famille présidentielle la pape la guéo dans moment socio-économique difficile y a fait face depuis environ 4 semaines. Nous avons eu un problème en haut. En 2012, j'ai écrasé Kayo. Déjà. La fois passée, j'ai écrasé Kayo encore. Mais la fois passée, l'opposition prend. Baral Alfonso Léavel dit que c'est le président Jovenel qui va écraser Kayo malheureux parce que le président Jovenel parle de malheureux bon côté. Mais qui côté nous sortit? Sans deux, nous sortit. Moi, je sortis en Douro, dans la zone Chansol. Président Jovenel sortit tout du Nord. Donc, qui sont ça lié pour mon abdi qu'on parle de malheureux côté? Mais c'est dans la classe là que nous sortit. Dans la classe pauvre là que nous sortit. Mais je dis à qui monde qui mettait le président Jovenel président tout, c'est eux-mêmes qui ont voté qui fait je dis à la première dame. Mais si vous avez un problème, il faut que vous travaillez pour vous. C'est ça que fait je dis à créer un temps. Je dis que la fin passée, mais faut mal ouais, même si vous parlez encore, mais au moins ma ouais, mon yo qui là, ma pas laver, ma baille au réconfort. Parce que quand vous crasez, vous avez un petit bébé qui était 22 jours qui était là, qui était l'autre qui était 18 mois, qui était mon petit. Donc, moun sa yo, faut que moun qui pense pour yo. Moun sa yo, faut que moun qui dit un mot pour yo, parce que ce sont des sans voix. Et qui moun qui pour 10 mois pour yo, c'est moi pour dire, puisque c'est femme barre moi. C'est une femme qui a une douleur en l'autre. Je dis, je parle avec moun sa m'de ouais, moun sa m'ouais, à parle pas avec l'autre. Pour nous voir comment nous cacher ta problème dans résoudre. Parce que créole là du tout voisinage c'est famille. Si mon problème la premier monde qui vous porter me secours bien que mon sécurité mais c'est eux même parce que si mon bagage on du fait un bagage mais c'est eux qui viennent qui aider moi parce que c'est eux même qui là beaucoup côté si un problème tout c'est moi qui là pour aider. Donc je dis mal ouais yo moi paré pour m'aider donc yo même tout yo ka compter sur moi parce que moi même moi compter sur yo et ça fait me dire compter sur yo parce que c'est eux même qui te voter président qui fait président qui arrive là je dis. Donc je voulais que tout le monde connaît que pèlerin pas un problème qui vraiment m'ta dit que sérieux c'est opposition qui prend qui mettre du feu derrière elle qui chauffe un bagage qui pas existé c'est frère action nouyé c'est dans l'union de business ça le dit l'union fait la force c'est dans l'union seulement nous ca sortir dans problème nouyé mais l'école pour l'ouvrir si monde qui pas pour l'école en l'air là mais faut m'aider yo puisque maman yo pas capable. Faut me prévoir faut travailler au soulier, faut me prévoir travailler au kit scolaire, faut me prévoir de bagages pour eux. Donc même si que pas gain gouvernement parce que pour qu'on premier ministre, mais si gon petit bagage que me ka fait dans aide que m'a joine, moun ka aide, m'a porter pour eux. Dans diverses rues en dans Pèlerin 5, habitants yo recevoir première dame Martine Moïse à Campil Chaleur.
Yon nan victime ka écrasé yo ki te chita parler ak première dame nan di li espérer. Première dame nan pral agi vite bon côté président République lan Jovenel Moïse pour accompagnement la présidence lan rive joine yo pressé pressé. Et ça m'ta remé mais faut on bagay pressé pressé parce que c'est dans la rue nou ye. Nou pa habitué rete kay moun. Pa lo faire première dame nan ki sa di. Li di m kon sa et maman nou lié, l'a chercher faire tout bagay mais nou ta remé faire pour le faire ça kounya parce que nou pa ka rete dans la rue encore. N'a pas rappelé, c'est pas première fois la justice avec la police a fait opération déguerpissement dans Pèlerin 5. Dans l'année 2012, la justice t'a fait une opération déguerpissement côté moun Pèlerin 5 qui construit dans zone ravine nan kayote écrasé même genre. Nous avons annoncé ensemble titio, nous faut connaître tribunal et criminel et traité plusieurs dossiers, lui ordonné 6 arrestations pour vol, viol avec association malfaiteur et puis fait 4 libérations. Ce bilan dans le cadre assisé criminel sans assistance juridique qui était déroulé sorti lundi 23 juillet pour arriver jeudi 26 juillet passé dans palais justice, dans Port-au-Prince, n'a pas envie de suivre. 6 condamnations qui gagnent pour infraction, tant que vol à main armée, viol avec association malfaiteur, 4 libérations, c'est quantité de dossiers tribunal là traité dans le cadre d'assises criminelles sans assistance juridique qui démarrait lundi 23 juillet dans la juridiction Port-au-Prince. Pour la première semaine d'assises criminelles sans assistance juridique, tribunal là a disposé 5 chambres civiles. Dans le cadre d'efforts fait pour diminuer la détention préventive prolongée, lundi 30 juillet, Capvini là, tribunal premier instance Port-au-Prince a démarré assise criminelle avec jury. N'a pas rappelé assise criminelle yo à bout vendredi 10 août Capvini là dans juridiction Port-au-Prince là. L'autre information dans le journal la responsable autorité nationale régularisation c'était énergie annoncé mettait bout vendredi 27 juillet qui s'est passé là avec un atelier formation organisé sous établissement tarif électricité dans le pays. Activité ça a été occasion pour représentants divers secteurs qui impliqués dans affaires énergie dans le pays à brasser l'idée sous problème d'électricité à quelle façon vous capable de calculer tarif là. Nous avons vite suivi un compte rendu avec Rachel Simfort et puis Moïse Ulbich. Établir un tarif cap encourager investissement dans le pays pour faciliter l'entreprise de créer des jobs, permettre consommateurs de jouer un service qualité pour payer selon ça au consommer. C'est parmi l'objectif atelier formation ça, responsable autorité nationale régulation secteur énergie a annoncé réaliser sous établissement tarif électricité dans le pays. Activité ça te occasion pour participants yo garder ensemble calcul raison ak utilité tarif qui fixé yo selon directeur exécutif Institut Haïtien Énergie. Tarif d'électricité c'est pas simplement un chiffre que lié, c'est un outils qui pour permettre que en compagnie qui a formé et qui a fourni un service tant que EDH ou bien tant qu'une compagnie privée qui a fourni un service que prix fixé pour service là que lit suffisamment acceptable pour que utilisateur là consommateur il pas payer trop cher mais que les payer ça le besoin payer pour que les joignent service là et que d'autre côté que compagnie lui même tout lui pas mandé trop cher mais lui obtenu suffisamment pour que lui payer ni investissement ni fonctionnement ni impôt que le gain pour le payer l'état haïtien qui lui même faut le bénéficier tout un participant yo Rosny Grand qui s'est conseillé dans direction générale électricité d'Haïti expliqué atelier ça ba participants aux outils KPDO entendre sur une série points pour définir tarif là. Rosny Grand promet pour partager échange d'affaires dans cadre d'activité ça avec l'autre responsable dans EDH. Depuis décret 3 février 2016 là, marché a l'ouvrir à la concurrence EDH pour le moment en attendant que gagnons l'autre législation les parents en situation de monopole encore donc nous-mêmes dans entreprise là nous venons participer dans un séminaire ça qu'a organisé pour nous garder tout bien fondé qui gagne pour tout le monde mettre sous même longueur d'onde pour que au niveau de l'entreprise là nous restructurer tête nous pour nous protéger les emplois pour nous faire entreprise là une entreprise rentable mais pour que consommateurs tout, yo paye le prix qu'il faut pour que yo gagne un service là. Atelier formation ça sous établissement tarif électricité dans le pays, c'est deuxième série formation responsable à réaliser.
Yo expliqué ou déjà organisé une série sous façon pour une compagnie qui voulait travailler dans le secteur jeune naissance. Et bien, dans le mois de septembre, il a organisé un autre atelier sous montage institutionnel. Responsable d'État généraux sectoriel Nation 1, je suis parlé vendredi 27 juillet, je suis passé là avec la même organisation Espace Biotech Haïti. Rencontre ça a été déroulée en présence de médecins traditionnels dans le secteur, d'après secrétaire exécutif, secrétariat technique et GNS, là, Luino Pierre. On a même vite suivi un extrait dans le micro, Rodney d'Orléans, Fresnel Toussaint qui était sous place. L'objectif de rencontre, c'est que nous devons aboutir à un document de diagnostic par secteur et un pacte. Donc, biotech, il y a eu accès à nous-mêmes à suite à un reportage que les médias ont diffusé et de une rencontre que nous avons fait avec la Commission nationale pour la réforme du système de santé et des services hospitaliers. Et ils ont remarqué qu'un aspect dans le système de santé, notamment au niveau médicaments, qui pas pris en compte, notamment la valorisation de la médecine traditionnelle, les plantes, etc. Et c'est, je te dis que, compte tenu de potentialité biotechnologie dans le domaine ça, et même j'ai travaillé sur ça depuis 2012, donc il y a nécessité pour un dialogue avec la commission pour capable intégrer tout élément ça. Donc c'était ça l'objectif maintenant, pour déjà pour nous écouter, ensuite la mettre en relation à travers les deux, pour capable de dialoguer entre eux, avec ça, qui synergie qu'a pris entre deux dynamiques. Toujours dans le même dossier, si là, dans le cadre de rencontre avec l'équipe État Généraux Sectoriel Nation, président biotechnique Haïtia, Dr. Zachary Antoine, souhaité autorité concernée intégrer biotechnique, biotechnologie dans le système d'un pilon. Dr. Antoine souhaité ministère de l'Éducation nationale avec formation professionnelle rentrer cours sur biotechnologie dans le programme, une façon pour capable former jeunes sur l'importance de la médecine traditionnelle. On a pas vite suivre. La biotechnologie, ça veut dire c'est toute matière qui est aux alentours, nous reprenons, nous travaillons avec eux, en dans le laboratoire, et puis nous venons créer des produits, ça veut dire la production, les produits pharmaceutiques humains, ok? Qui ça veut dire? Ça veut dire, ils existaient déjà, mais la biotechnologie, qui ça le fait? Ils viennent avec d'autres systèmes pour neutraliser, retirer, détoxiquer les produits pharmaceutiques qui ont des problèmes secondaires. Donc, en fait, la biotechnologie, c'est une pureté, on peut l'appeler comme ça. La biotechnologie, nous capable d'utiliser tous nos ressources, tous nos produits autochtones en Haïti. Bien sûr, nous allons gagner un espace de recherche pour nous travailler avec ça. Et en même temps, à joindre tout secteur, à dire toute région, commune, rurale, etc. Ça va à l'école, parce que nous gagnons aussi les médecins qui comptent faire, mais nous allons chercher permettre que vous gagnez plus de formation. Donc là, nous parlons d'un niveau très haut, au niveau de l'université. Ça veut dire, même docteur Feuillot, mais vous avez certaines connaissances. Il faut qu'on panel de en éducation, parce que dans un pays étranger, depuis un certain temps, si vous avez élémentaire, vous apprenez ce que c'est qu'une cellule, ADN, ARN, etc. C'est vrai, nous étudions dans un livre, mais ça nous demande, il faut que nous associions biotechnologie a déjà dans l'école élémentaire de base. Et ensuite, nous avons commencé à gagner une formation jusqu'à ce que nous allons travailler avec grand yo qui est déjà dans l'université, etc. Donc, je pense que c'est un message que je voulais lancer à l'État généraux pour que vous pensiez lier la biotechnologie et qu'il y a un espace cursus même de cours. De cours à travers l'école pour continuer à commencer à apprendre ce qu'il y a. C'est quand même le pays est là, nous avons tout, nous n'avons qu'un lien. L'autre information, journal La Union Femmes Handicapées, salue décision député au prend pour voter le roi sous protection mon handicapé pendant qu'il a demandé président de la République là pour rencontrer avec l'organisation mon handicapé dans le cadre de consultation qui tombe avec différents secteurs dans la vie nationale. La coordonnatrice Union Femmes Handicapées à Désir Sonnette explique l'organisation qui travaille avec mon handicapé a continué à plaider pour l'intégration dans la société. À Désir Sonnette, dans le micro Stéphane Nichol avec Moïse Ulbich, n'a pas invité à suivre.
Nous profitons de voir un gros coup de chapeau pour la Chambre des députés qui, dans la date 24 juillet, a voté la loi Fonds Solidarité Nationale pour l'intégration des personnes handicapées. C'est un bon geste. Nous souhaitons, dans quatre consultations, tous les représentants de l'organisation secteur organisé des personnes handicapées, bail Mopayo, dans la décision qu'ils ont pour prendre pour former le prochain gouvernement. Nous prenons pour qu'on y ait avec l'anniversaire septentrional pour une fois qu'on a 27 juillet 2018 là, fait 70 l'année d'existence orchestre septentrional. Pour marquer date ça, il y a une action grâce chantée vendredi 27 juillet qui se passe là, dans la chapelle Saint-Joseph, au Cap-Haïtien, en présence musiciens orchestre là, amis, familles et fanatiques. Célébrant messe là, évêque Miragouane en Savoie, Monseigneur Pierre-André Dumas, félicité musiciens orchestre septentrional. Pour ça, ils ont accompli pendant le parcours de la culture haïtienne. Quelques fanatiques septentrionales ont expliqué, ont exprimé au pito dans la micro-télévision nationale d'Haïti. N'a pas vu de suivre. De 1948 à 2018, septembre, il y a un grand passé. Et il connaît de bons et de mauvais moments. Et de bons moments, je suis capable de prendre comme exemple parce que c'est un premier jazz haïtien qui jouait dans Maison Blanche, qui était comme un souvenir pour Septentrional. Septentrional est un modèle parce que c'est un pionnier à travers le Nord qui est arrivé et qui laissait un paquet de parcours. Côté que un peu le jazz capable de suivre Tracio vraiment. Je dis que le meilleur pour eux. Ensuite, pour 70 ans, ça n'a pas le gain là. Que il y a un peu de bagaille au fait que qui fait bien pour ça que je me travaille de septembre. Je dois dire que c'est continuer travail et malgré nous connaît que bagaille ont des gens difficiles, c'est vrai, mais pas découragé. Et surtout 70 ans, ça 70 ans, c'est pas 70 jours. Nous revenons bon pour nous regarder qui ça qui gagne en actualité internationale. Je veux que nous annoncions les sentiments pour nous faire connaître. N'ayons titan qui pas trop loin, n'importe américain est capable d'imprimer des armes 3D. La Kaili, la justice d'un pays les États-Unis, by autorisation à entreprise Defense Distributed qui que militant pro-armée Cody Wilson a fondé pour publier programme impression gros armes plastiques. Malgré diverses tentatives, plusieurs organisations cap lutter pour un plus bon contrôle des armes sur le territoire américain ont fait une série de tentatives, la justice a été voyée jeter. N'a pas noté, chaque année, il y a plus de 30 000 personnes qui mourent en babal dans le pays, les États-Unis. N'a pas gagné plus d'informations dans le cadre de ça, dans la prochaine édition du journal sur télévision. Et c'est là tout le journal arrive dans le bout, mais juste avant nous aller, n'a pas. Un titre qui te fait essentiel le journal là pour matin pour nous faire connaître. Jean-Claude a annoncé le pour nous faire connaître. Première dame, réplique la Martine et Moïse fait un viriron en pèlerin 5 côté les rencontres habitants dans la zone et puis confirmer engagement famille présidentielle là pour établir bon rapport avec eux dans la zone. Tribunal criminel traité plusieurs dossiers, ordonné 6 condamnations pour vol, viol avec association malfaiteur et puis fait 4 libérations. C'est bilan 6 criminels sans assistance jury, sorti lundi 23, privé jeudi 26 juillet dans le palais justice de Port-au-Prince. Responsable autorité nationale régularisation secteur énergie annoncé mettait bout vendredi 27 juillet se passé là avec un atelier formation étape organisé sous établissement tarif électricité dans pays et puis à l'échelle internationale nous faut qu'on ait n'ayant titan qui pas trop loin n'importe américain capable imprimer des armes plastiques la caillou suite à que décision la justice américaine prend pour bail autorisation à compagnie armes défense distribuée pour publier programme impression armes 3D. Voilà, c'est ensemble information ça va camp pilote qui te fait essentiel le journal là pour jeudi lundi 30 juillet. N'a pas souhaité tout le monde passe une très bonne semaine mais surtout un très bon lundi en compagnie de télévision nationale d'Haïti et surtout restez branchés pour suivre reste programmation sur télévision l'état.